commencer Rasmeltor et j'espère que ça va être une dinguerie. Ah, je le sens bien là, Vatira, je sens que ça fait deux jours qu'il est dans une caverne à méditer là et à préparer ses moves. Ça va être cascade. Un truc de fou. Ils ont trop faim, Gaï et Moist. Ils ne vivent que pour ça, ces jeunes joueurs. Et ils vont aller, ils ont de la volonté. Attention directement à ceux qui commencent. Moist Esports qui rentre très vite dans son match. 3 secondes, c'est le temps qu'il a fallu attendre vers l'ouverture du score des Moist. Rise sur le kick-off qui vient trouver la lecture du rebond étonné. Le premier but à l'équipe européenne. Attention à l'engagement, ne pas se faire égaliser très rapidement sur le kick-off. En tout cas, ça ne sera pas le cas pour l'instant. Card qui l'envoie sur la cage. Vatira, il tente la passe pour Rise. On va essayer de le remettre au centre. Vatira peut-être pour la frappe. C'est arrêté par Yann. Oh, attention à ce tir joyeux. Il s'est avancé là. Il avait envie d'en finir, de marquer le deuxième but. Mais finalement, il va aller absorber la pression. C'est très bien joué. Et sans attention à Yann, hein, évidemment, qui va éliminer un premier joueur. Vatira, le 50-50. Ouais, il n'est pas facile, mais bien négocié. Attention à cette frappe. C'est dégagé par Rise. Joyeux peut-être pour continuer. Le bloc de Yann, encore une fois, qui a eu le temps de faire le tour, qui met de la pression sur Moist, mais ça tient bon. Allez, hein. Vatira qui va essayer de dégager le duel, qui a remporté Rice, qui contrôle la balle, le 1v1 de Rice, le duel. Ça sera arrêté par Yann, pas d'une façon un petit peu miraculeuse, il faut le dire. Allez, Kayo qui va réussir à dégager Rice au duel. Le contrôle de balle du Britannique, le flic pour essayer de passer au-dessus de Karn, mais ça a été remporté par les Furia. Attention à cette balle qui tombe dans le cage. L'égalisation de la team Furia. Quel dunk ici sur Karn, Rice qui a mis un petit peu trop de temps à contrôler sa balle. Et on avait pas de backup ici, assez risqué, hein, mais bon, oui. C'est comme ça que ça joue chez Moist. Le fait de perdre un duel n'est pas une option envisagée par non. Le principe de rotation de Moist. Ça les surprend à chaque fois. C'est et voilà, ben ça fait un partout. Un partout, effectivement. Hein. Évidemment qu'il va falloir compter avec les Furia. Ils se sont des très forts adversaires. Va tirer la double tap, elle ne passera pas. Kayo, en direction du backboard, c'est le corner même pour essayer de trouver une passe dans l'axe. Rice qui dégage. Va tirer, qui a récupéré de la ressource. Il va aller défier Card, mais c'est à la faveur du Sud-Américain. Attention à Yann. Ouais, la lecture n'était pas parfaite, mais ça fait une passe en retrait pour Kayo. Il n'y a pas de souci. Va tirer, qui va y retourner. Il a du boost. Va tirer, il va pouvoir y retourner encore une fois. Le fait briser pour la mettre sur le backboard. Kayo, c'est compliqué, mais il peut défendre. Il a fait briser de démo ou je rêve là? Il a démo avec sa fait briser, tu vois. Ah, c'était bizarre. Attention ici, Yann, la transition, le bloc de Joyo. Vatira, la petite. Ah, quoi? Attendez, je veux un autre angle de vue. Je ne sais pas. Je ne sais pas, Rasmeltor. Qu'est-ce que je viens de voir? Ok. Ok. Il a snipé dans les airs. Ils sont trop forts, les Moist, pour la reprise de l'avantage. La petite passe de Vatira pour retrouver Joyo dans sa redescente et permettre aux Moist de reprendre l'avantage. Allez, Vatira. Le clear. Vatira encore une fois, ouais, qui va essayer de la récupérer. Kayo qui peut la mettre sur le corner. Oh, ok, petit raté de la part de Joyo, pas de souci. Kayo, la petite passe pour Card, le tir direct et c'est open. Beaucoup d'open du côté des Moist. Ouais, bah oui, il se backup pas trop. Là, Joyo, il est tellement en avance. En fait, Rise, il s'y attend pas du tout. Il doit faire un turn. Mais la belle remise dans l'axe, en vrai, ils se sont bien adaptés. Petit canard de notre oui. Joyo national, bah pas du tout, de notre Joyo, simplement. Juste Joyo, continental. Oui. Notre Joyo continental. Mais voilà, c'est du Moist, c'est normal. C'est du Moist, effectivement. Deux buts sur des open, on n'est absolument pas choqués. Ce qui compte pour eux, c'est de marquer plus qu'ils n'en laisseront. Attention à Yann, quand même, la tentative de double tap. Rice qui va esquiver la démo et faire la parade. Vatira, il y retourne, mais cartes pour le tir direct, ce n'est pas cadré. Joyo. Dans le corner, ouais, le duel avec Kayo s'est bien pris. Un Joyo qui va essayer d'y retourner, il ne peut pas. Vatira qui outfit tout le monde. Card pour défendre. On clear de l'autre côté. Joyo qui attendait la balle. La double tap qui est tentée, défendue par Kayo. Ouais, attention, Yann, il va être premier sur cette balle. Vatira va respecter ici la shadow défense du joueur français. Très beau backflip ici, mais il y a Card bien positionné derrière qui va pouvoir la contrôler dans les airs. Le duel avec Rice est très important. Où ça aurait pu très mal se passer là, mais Joyo va pouvoir s'échapper. Il est parti au rythme, Joyo. Et c'est difficile de l'arrêter. La récupération de Rice est un 2v1. Le front flip se sous la barre. Les Moist repassent devant. Parfait de la part de Rice. Parfait. Le duel de Joyo qui finit dans le capot de Rice qui contrôle sa balle. Le flic pour surprendre Card. C'est sous la transversale et ça permet aux Moist de repasser devant à la moitié de cette première game. Allez, le kick-off. Joyo contre. Card, c'est assez neutre pour l'instant, quoique ça va profiter à Kayo avec Vatira qui avait prévu une autre trajectoire du ballon. C'est quasiment open. Vatira, le retour. Kayo contre Vatira. Ah, c'est Kayo qui remporte le duel. Rice qui cherche son coéquipier, mais pas de boost, hein, du côté du français. Card fait prisette. Il s'en sert. Joyo pour défendre. C'est Yann qui la reprend. Ouais, Yann qui va pouvoir la reprendre à nouveau. Il aurait pu faire la double tap ici. Belle défense de Vatira. Oui, il va rater son contrôle. Ça va profiter à Card qui a pris un reset ici. Il va pouvoir aller la double tap. Mais on était prêt à répondre à ça. Attention, l'envolée de Joyo, il n'y va pas y aller. Oh là, tout le monde se fake du coup. Joyo un petit peu hésitant quand même, hein. C'est pas la première fois qu'il rate une lecture pour l'instant.
fait quelques pré-jump un peu trop osés. Rise, le contrôle. Attention le dunk. Yavatira qui va pouvoir lancer Joyo côté opposé. Il va bien sûr monter sur ce mur. Joyo hein, qui gagne des duels très importants. Joyo qui fait la passe. Il avait tout fait, Joyo. Et Yavatira trouvera l'angle pour récompenser le travail formidable de Joyo. Un premier joueur battu, un deuxième joueur battu, un troisième joueur battu et un open offert à Yavatira. Oh, il s'est glissé entre les joueurs, les femmes de corps. Il a fait un giga tout droit, personne n'a pu l'arrêter. Quelle accélération! Allez, on est parti ici après le kick-off. Le backlève, Yavatira qui va aller bombarder ce backboard. Défendu, c'est bien joué. Attention à Rice qui est bien positionné. Petite frappe. Ou attention, le bump aurait pu faire la différence. La récupération de Kayo pour passer en contre-attaque. Joyo qui va manquer cette balle, décidément. Joyo, il est encore en train de régler la mire. Ouais, Joyo qui est en train de se set-up mécaniquement. On le connaît, il a toujours besoin de quelques games souvent pour nous lâcher des énormes dingueries. Bon challenge cependant, là de la part du Britannique. La démolition de Kayo qui permet à Yann de reprendre le contrôle. Pas de danger hein, pour les Moïs. C'est une balle qui va être contrôlée par Yavatira. Le duel, par contre, là, il vient servir Yann. La double tap qui est tentée, il ne pourra pas la prendre, mais Kayo le tire. Ça a été contré, ça reste dangereux. Rice qui passe à côté, car dans deux temps, ce ne sera pas dedans. Kayo s'est cadré, mais Yavatira défend. Attention à Yann, la frappe, c'est arrêté par Rice. Wouah, Rice qui a réussi à sortir cette balle. Une défense pas tout à fait classique hein, du côté de Moïse. On attend le tir sur la ligne et on fait des arrêts réflexes. Hein. Ne faites pas ça chez vous. Non. Il faut être un petit peu dans le futur. Hein. Il faut un peu un Sharingan pour faire ça. Ouais, attention le clear, card côté opposé qui pousse un peu trop sa balle. Non, ça va dire Yann côté opposé qui va pouvoir partir. Yann, le duel Joyo, le pré-jump. Ah, parfait, hein, Joyo. C'est marrant parce que Rice vient de pré-jump et de rater la balle. Est-ce que ça empêche Joyo d'y retourner? Non, non, pas du tout. On pré-jump toujours du côté des Moist. Allez, Yann qui va pouvoir continuer son travail. Ouais, on retourne au sol, on lui a laissé un petit peu d'espace. Le pré-shot de card, c'est magnifique. Joyo pour la parade. Rice qui va essayer de contrôler, remonter le terrain. Ça a été bloqué. Yavatira contre Yann. C'est à la faveur du français pour l'instant. Card qui la remet. Joyo qui dégage. Attention, on n'a pas beaucoup de ressources dans la défense. Mais pas tout, si Rice qui est à l'attaque, ce n'est pas cadré, je crois. Garde qui défend. Attention, il faut reprendre cette balle. Oh, très beau wall read ici pour aller dégager. Mais Yavatira était prêt. Ah bah tiens, la réponse évidemment. Hein. Quel enfant. Et ça fait la passe à Joyo, le flip reset. Incroyable, wall read into flip reset. Et à la frappe de Rice qui va aller au bout. On enchaîne les mécaniques. Les lectures sont bonnes du côté des Moïse. Magnifique de la part de Joyo. C'est incroyable que Yann touche cette balle. Hein. Vraiment, c'est absolument prodigieux. Mais Rice, la frappe est puissante. Atterrit sur Garde qui vient d'atterrir au sol. Il ne peut pas défendre. 5 à 2, 7 secondes restantes, c'est une première game qui est remportée par les Moist. Ouais, là ils sont en train de découvrir les Moist, les Furias, s'ils ne les connaissaient pas, ils sont en train de faire connaissance. C'est pas facile hein, cette équipe de toute façon qui domine actuellement l'Europe. Rice de Wallreed manque un peu de puissance, mais voilà, on est en train de... C'est la game de show. On se set up. C'est la game de show. Oui, c'est ça le problème pour les Furias, c'est qu'on voit que des Joyo, des Rice... Yavatira, j'ai pas trop l'impression, il m'avait l'air en forme dès le début, mais Joyo Rice, on est encore en train de se chercher mécaniquement, de trouver ses bons timings, ses touches parfaites. Et ça, le, c'est le pas bon signe. Dans les airs, là. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable, là, la petite... le sniping de Yavatira pour Joyo qui est en train de redescendre, c'était fou. Le collectif de Moïse est en place, les mécaniques individuelles pas encore tout à fait, mais ils en avaient pas besoin pour cette première game. Ouais, Joyo là, tu sais, aux fléchettes, il est pas dans le rond central, il est juste un petit peu décalé. Il fait le 25 à côté. Il est en train de faire ses petits réglages là, et une fois que ce sera prêt, bah c'est fini. Il faut qu'il finisse le BO avant que Joyo finisse de setup Samir. C'est leur seule chance ici. En tout cas, voilà, ils ont pris deux gigantesques open sur deux manqués de Joyo, concrètement. Et ce sont les deux seuls buts. Hein. Et c'est les deux seuls buts. Par contre, derrière, tous les buts de Moïse, et c'est ça qui est génial quand on suit Moïse, c'est que tous les buts de Moïse, c'est que des masterclass, c'est que des beaux buts. Ils vont toujours aller battre l'adversaire. C'est rare finalement de les voir capitaliser sur une erreur de l'adversaire. C'est ce qui se passe quand l'adversaire rate, bah, ça fake most. Souvent. Oui, souvent. Souvent, ça fake most ou alors ils essayent de faire des double taps dans des cages complètement vides ou des trucs comme ça. Ils vont quand même mettre un truc de fou. Et ça ne marche pas forcément bien, mais en tout cas, oui, grosse première game de la part des Européens qui ont été très très forts, très très chauds dès le début. On a eu un petit peu du mal à se trouver du côté Furia, à intercepter toutes ces balles. Ça va vite, hein, Moïse, ça va très vite. Bah, le problème de Moïse, c'est que jouer une équipe tellement en confiance, tellement vers l'avant, qui s'en fout. Ils s'en foutent, Moïse. Oui, hein. Oui. Genre, le joueur, s'il y va, il y va, et puis on verra bien, quoi. Hein. C'est ça. C'est difficile mentalement, parce que si t'as pas au moins l'équivalent, bah, tu vas vite te laisser aspirer. Et beaucoup d'équipes se sont fait avoir à ce petit jeu-là. Allez, on est parti. La deuxième game, Moïse contre Furia. Est-ce qu'on va avoir une réponse de nos Brésiliens préférés? Yann qui va la remettre dans les airs. Joyo pour contrôler sur le backboard. Ouais, on gagne beaucoup de temps du côté de Joyo. Le air dribble, c'est bien fait. Le petit bump, c'est magnifique hein, ce que vient de faire Joyo. Yann qui va réussir à dégager. Le duel avec Yavatira est absolument parfait pour le français. Yavatira qui retourne. La lecture était bonne, mais il n'a pas pu cadrer. Attention à cette balle. Oui, il va aller prendre le dunk. Ouais, attention. Hein. Tant qu'ils sont pas atterris, ils sont dangereux, les joueurs de Moïse. Allez, Yann, lui aussi, il s'est voltigé. Très belle accélération hein, du meilleur joueur d'Amérique du Sud.
Ouais, le Céline Pinch évidemment pour dégager. Attention à cette frappe, elle est fulgurante. Et Joyau dans son but ne peut rien faire. Il n'a même pas, il n'a pas bougé. Il a pas bougé, ça ne servait à rien. Elle était derrière lui dans la lucarne. Magnifique frappe de la part de Card. Et on est surpris par un Valtierra qui est en retard sur ce challenge. Joyau ne s'y attendait tout simplement pas. Mais c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Les joueurs de Moïse ne capitalisent jamais sur un challenge perdu par leur coéquipier. Ce n'est pas comme ça qu'il fonctionne. Et c'est pour ça que leur jeu est absolument incroyable. Allez, Card qui va réussir à remporter un bon duel. Rise qui a de l'espace. Il va en profiter pour partir en air dribble. Yann qui va essayer de le stopper, c'est réussi, mais attention à Joyau juste derrière qui pousse lui aussi. On cherche des bumps, on cherche à y aller en force, mais c'est bien défendu par les Furias. Ouais, ils ont réussi à bloquer cet assaut, mais attention parce que ça va revenir ici avec Joyau qui tente évidemment une double tape parce que sinon c'est pas drôle. Karl en chandelle ici, ouais, qui va se manquer un petit peu la vitesse de Rise pour aller accélérer sur ce but. La passe, oh, elle est manquée, oh, il a manqué son tir, il était peut-être un petit peu à bout de course. Joyau le pré-jab, quel dunk de fou. Oh, c'est cadré. Yann qui va pouvoir l'arrêter. Ok, j'ai eu un petit peu peur pour le Brésilien, mais pas de soucis, il pouvait l'avoir. Caio qui va essayer de clear, va tirer à la réception. Pas de free preset pour le Français, pas de soucis. Par contre, on va pouvoir essayer de faire le décalage. Personne qui l'accompagne. Card pour Caio. On va réussir à contrôler cette balle. Énorme nombre de ressources hein, du côté de Caio. Rise, le duel, il est remporté. Mais Yann juste derrière, il peut peut-être y aller. Non, on n'ose pas jeter du côté de Yann. Rise, encore, pour la remettre au mid. Caio qui va essayer de tirer. C'est encore contré par Rise. Mais attention à la frappe de Card. Elle n'est pas cadrée. Ouais, Joyau qui va clear côté opposé. Rise qui s'est avancé évidemment. Toujours un joueur porté vers l'avant. Rise en sailing qui va aller affronter Yann. Le 50-50 et la démolition de Joyau dans l'axe qui va perturber pas mal le jeu. Oh, attention à ce rythme de fou. Il a réussi à cadrer. Rise encore, il va la faire drop. Ouais, on va être obligé de jouer son propre backboard. On prend des risques de compliquer là, côté Furia. Ouais, mais la contre-attaque fonctionne. On a tout mis en attaque. Est-ce qu'on peut dégager? Ouais, ils ont plus de ressources, les Furia. Et attention à Joyau, car il s'envole. C'était chaud, c'était très très chaud, mais ils ont réussi à tenir. Joyau qui n'a pas réussi à mettre la puissance dans sa toute dernière touche. Allez, va tirer le duel avec Card. Ouais, Yann qui vient la remettre sur le côté. On rend un peu la balle à Rise là, ce n'était peut-être pas le meilleur move. Joyau, le duel, il est perdu contre Caio. Va tirer le contre. Va tirer qui le remporte très largement. Il arrive à éliminer un second joueur en plus sur la route. Derrière la frappe de Card, c'est bloqué par Rise. Le contrôle de balle de l'anglais qui va essayer de repartir dans l'accès magnifique. Le 1v1 maintenant face à Yann. Le fake qui est tenté, mais Yann n'est pas naïf. Ouais, évidemment, ils vont aller prendre les plays les plus compliqués. Oh, le bump est magnifique. Oh, il va quand même toucher. Et en carte, il décide de ne pas y aller. Il a vu Rise. C'était pas loin, la Furia qui était pas mal. Ils sont toujours devant au score. Hein. On n'arrive pas à trouver d'opportunité là, côté Moist. Mais on sait que ça peut arriver à tout moment. Hein. Ça peut aller très vite. Oh, très belle transition de la part de Furia qui a des réponses ici. Hein. Ouais, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. Mais attention quand même à bien défendre son but. Ouais. Ça joue très bien. Ça joue très bien du côté de Furia. Ils ne sont clairement pas. Étrangers à leur place ici dans ce top 8. Attention à la récupération de Card. Derrière, c'est Joyau qui va pouvoir la récupérer. Joyau continue. Ouais, le duel qui repart dans le corner. Rise pour essayer de reprendre le contrôle de la balle. Ça fait une jolie passe. Card est plus rapide que Vatira. Joyau qui va y aller. Oh, Joyau, il s'est complètement raté. Mais pas de souci, on lui rend la balle sur le backboard. Le musty, non, c'est un contrôle de balle. Caio qui s'est fait contrer. Yann à la retombée. Ouais, on arrive à remonter un peu le terrain, mais Vatira qui intercepte. Ouais, Vatira qui va pousser ce ballon. Attention, ça va pop sur le backboard. Card. Ouais, Vatira, la récupération. Ouais, il va essayer de lancer son coéquipier. Joyau qui est parti la semaine dernière. Il a voulu prendre le reset double tap, mais sa touch va amener sur le backboard défendu. Ouais, on essaie de poursuivre ici. Joyau, le challenge. Le duel est important, il va essayer de se faufiler, c'est pas mal, il se rapproche de la démolition, mais c'est pas le bon joueur. Ah, c'était bien joué, mais on est en place là du côté des Furias, on ne se laisse pas surprendre. Allez, Yann qui va pouvoir dégager la balle, on arrive à se créer un temps fort du côté des Furias. Yann qui a réussi à bump deux joueurs, à passer Vatira, maintenant on va essayer de prendre des duels du côté du Français, c'est quasiment open. Vatira le tire, et Vatira qui vient donner l'égalisation à Moist. Oh mon dieu, quelle accélération ici depuis le backboard, il est allé éliminer deux joueurs de Furias coup sur coup. Ils l'ont pas vu venir, quelle accélération. Vatira, un des derniers grands dribbleurs. Hein. Oui. Parce que maintenant, on n'a pas le temps de dribbler, à part Vatira. C'est le seul qui arrive encore à éliminer des joueurs les uns après les autres pour aller marquer. À ma connaissance, il n'y a que lui qui marque comme ça maintenant. Actuellement, oui, hein, on n'a plus beaucoup de joueurs, effectivement, qui font beaucoup de dribbles au sol. Quoique, peut-être les Falcons, il faudrait revoir les Vatira. Qui va essayer de récupérer. Ouais, Vatira qui continue, le duel avec Card. Très bien joué de la part du Brancet. Derrière, on essaye de remettre la passe, mais c'est défendu par Feria. Joyau qui récupère, Caio qui pousse. Ouais, Card, le petit décalage. Rise qui va essayer de prendre le challenge, mais il est à l'avantage de Caio. Joyau, le contrôle, le duel avec Card. Vatira qui va essayer de dégager. Ça pourrait venir servir Joyau. On a vu Rise au second poteau. Il ne pourra pas continuer le dunk de Rise. Oh, et Joyau qui arrête lui-même la balle de
son coéquipier. Ah, ils ont voulu taper l'overtime un petit peu, je pense. Ah, c'était vraiment une combinaison de fous. Ils ont tout donné, là, les Moïse, toujours à s'engager à 3 complètement en attaque. Attention quand même, là. Oh, le bac qui pop, c'était pas prévu. Il va falloir défendre, ça va aller. Oh, wow, il a maintenu le Rice, évidemment qu'il a maintenu la machine. Évidemment qu'il la maintient, Rice, un petit passe dans la tiers qui doit défendre. C'est Yann qui le fait. Joyon va tirer. Il s'était jeté à deux et la balle touche finalement le sol. Overtime pour cette deuxième game. Attention à ce kick-off. Vatira qui va pouvoir en profiter, quoique il préfère reculer, ne pas jouer avec le feu sur ce coup-là. Vatira qui continue, ouais, très bon renvoi de ballon. On est reparti de l'autre côté où Card essaye de trouver Yann. Peut-être la passe dans l'axe, on avait vu que Caillot était là, mais c'est Joyo qui peut intercepter. Ouais, Rice qui va aller attaquer son adversaire ici dans le corner supérieur. Ça joue très très haut hein, sur le stade, bah, tellement qu'on frôle le toit ici. Joyo, le flip reset pour éliminer son adversaire, Yann qui va s'envoler. Est-ce qu'il peut prendre la double tap de l'enfer? Oh, le décalage superbe. Et Rice qui est là pour prendre la suite, peut-être Caillot qui va avoir une opportunité de duel avec Joyo. La balle qui va drop pas loin du but, Card qui n'a pas d'option, mais c'est une belle attaque de Furia. Yann pour essayer de la remettre. Ouais, ça devrait revenir. Yann qui continue son travail, mais on est très patient hein, dans la défense de Moïse. On avait vu qu'il n'était pas accompagné. Rice derrière qui va pouvoir reprendre le contrôle. Attention à la remontée du terrain. Rice le 1v1, le petit crochet. Yann ne se laissera pas faire. Vatira, le crochet cette fois-ci, il passe. Vatira qui continue. Vatira qui gagne tous ses duels. Et il arrive à battre absolument tous les joueurs de Furia. Finalement, on a réussi à dégager. Ouais, il avait plus de boost. C'est ce qui a mis fin. Oh, attention à cette lecture un petit peu flottante de la part de Rice. Il va y avoir une frappe ici, Vatira qui a pris le jump, il a failli se faire avoir, ça a failli passer sous lui. Ouais, sur le côté, on arrive à passer, côté Yann, il va peut-être prendre le sailing, le 50-50 qui drop le ballon. Est-ce qu'on peut y aller ici, Rice, c'est bien joué, l'accélération, le duel avec Card, Card qui va se faire bouler, Joyo qui s'envole, il est dunk par Yann. Vatira qui va devoir essayer d'intercepter cette balle, il tente de la remettre sur Rice, mais on va juste prendre un 50-1 finalement du côté du français. Joyo contre Card, la balle sur le backboard, Vatira, Rice, c'est Rice qui va pour prendre le duel sur Kayo. Vatira contre Yann, on arrive à tenir bon du côté des Moïse, mais attention à Card qui maintient ce temps fort du côté des Furia. Joyo qui va rater son clear, est-ce qu'il peut y retourner? Non, laisse Rice intervenir, Yann qui renvoie la balle. Joyo, il n'a pas beaucoup de ressources, il arrive à prendre le duel, mais il a besoin d'aide. La frappe de Card, c'est Vatira qui l'arrête. Ouais, Vatira ici bien positionné pour aller prendre le bloc, Caillot le reset pour enchaîner. C'est très bien joué ici, les challenges qui s'enchaînent. Il y a toujours hein, des fois hein, cette transition vers l'avant qui sont tellement, tellement brutales de la part de Moist que ça peut libérer des espaces hein, sur un dunk. C'est sans doute comme ça qu'il faut les prendre. De toute façon, les Moist, les dunks sur leur contre-attaque. Rice, ouais, dans l'axe, il est passé, il y a Yann qui va la prendre, ouais, le jeu qui se ralentit un peu. Allez, Joyo, Vatira, c'est Vatira qui va aller prendre le duel sur Yann, derrière Card qui arrive à passer Joyo pour le stopper. Rice, ouais, on arrive à propulser un petit peu le ballon en hauteur, donner un petit peu d'air à ses coéquipiers, on a récupéré de la ressource en plus du côté de Rice, mais attention à Yann qui le dégagement n'était pas très bon, le fake pour Vatira, il ne va pas la rejouer ici, la double tapé, stoppé, Joyo derrière qui peut tirer, il s'est fait bon, Card qui vient l'arrêter, les Furia qui s'en sortent. Ouais, il a réussi à la cadrer, hein. Mais c'était trop lent du coup, ils ont eu le temps de revenir. Attention à Caillot ici qui est bien positionné, il va faire la frappe. Parfaitement absorbé par Rice hein, qui a bien lu les intentions de son adversaire. On va laisser Joyo aller prendre ce challenge. Il y a Yann qui l'a gagné, mais Vatira était en backup. Il va prendre le rebound. Il y a Card derrière. Allez Yann qui va fake dans un premier temps pour repartir le long du mur, c'est bien fait, mais Rice ne le laissera pas jouer le ballon. Joyo qui va venir la décaler dans le corner, ça revient sur le backboard, Vatira c'est raté, c'est open. Caillot la frappe, Rice la parade. Yann qui va essayer de retourner le dribble, Joyo Vatira qui vient faire la save. Les Moïse sont infranchissables en défense. Ah mais pourtant ils sont dans la sauce là et c'est pas terminé. Yann il va continuer à mettre de la pression sur eux. Le flip reset est magnifique, mais Vatira a eu le temps de turn. Et oui, il faut aller mettre le bon tir, hein. Un tir forcément de qualité exceptionnelle, sinon ça ne passera jamais. Vatira, la frappe. Oh, c'était sur la transversale, mais attention, on laisse des petits espaces. Vatira qui prend des duels, c'est open. Joyo qui vient finir le travail du français pour donner le deuxième point à Moist. Oh, ce turn de Vatira et ce bloc. Incroyable. Incroyable. Ça, c'est pas un dérapage de platine. Non, clairement pas. Parce qu'il l'a vraiment, il a gardé la balle collée tout en se retournant. C'est même pas un dérapage de GC. Hein, genre, ouais. Il faut être 2000 MMR, voire être Vatira, tout simplement, pour jouer aussi. Bien. Magnifique action de Vatira, magnifique match en fait, hein, où les Furia ont vraiment bien tenu le rythme. Ils ont réussi à garder leur avantage très longtemps alors qu'on avait beaucoup d'insistance côté Moist. Et finalement, vous le voyez, hein, les fans Moist sont nombreux dans le public. Et finalement, les Moist qui ont
réussi à s'en sortir et effectivement je te rejoins, comment ne pas être fan des Moist? Bah oui, parce que quand c'est on aime Rocket League, surtout quand on est spectateur, parce oui, que c'est très, c'est tellement beau, c'est pas des gars, tu sais, qui vont aller défendre et aller prendre une démo. Alors évidemment je dis ça, hein, mais c'est le jeu, hein, le but c'est de gagner, mais c'est à dire que eux ils sont forts et en plus c'est que c'est du beau jeu, très quoi. Spectacle, c'est que du beau jeu. C'est l'addition de trois génies mécaniques qui arrivent à bien se coordonner. Oui. Et quelle soif de victoire. En tout cas, pour l'instant, Furia fait une très belle prestation. Mais c'est pas facile, en fait. C'est ça. En fait, c'est pas que les Furia sont pas bons. Ils ont vraiment bien joué, je trouve, là, sur ce match. Mais déjà, ils sont giga strong. Dès que Moist arrive à accélérer un peu, on sent que ça devient un peu plus compliqué pour les Furia. Là, cette fin de game, avant l'overtime, c'était compliqué. Après, sur l'overtime, on a quand même vu beaucoup de temps fort Furia. Donc ouais, ça joue bien côté Furia, mais il y a ce petit détail en plus du côté des Moist qui fait la différence. Bah, voilà, ils arrivent à prendre l'avantage des fois sur des très bons challenges, et puis Moist, hein, comme ils foncent vers l'avant, c'est, comme je disais, hein, il y a de l'espace derrière. Comme ils ont toujours un joueur devant, donc il y a un défenseur en moins aussi. C'est évidemment sur ça qu'il faut jouer. Donc sur une grosse erreur, les Moist, ils sont encore plus en difficulté. Contrairement à une équipe comme BDS qui va rotate back instantanément à chaque challenge, du coup, bah, s'il y a un joueur qui rate, c'est pas grave, il y en a deux derrière tout le temps et ça repart, quoi. Donc du coup, ils ont réussi à prendre l'avantage de temps en temps. Et ils ont eu plein de tirs, en fait. Oui. Mais il y a toujours un Vatira ou un Joyo qui tombe du ciel. C'est ça, qui vient faire genre le save là, du haut là. C'était un truc de fou. C'était un truc de fou, effectivement. Ils sont incroyables en défense, en attaque, au milieu de terrain, absolument de partout. Les Moist et les Furia qui ont donc pris leur timeout pour essayer de trouver peut-être une solution, quelque chose pour contrer ces Furia, pardon, qui ont pris leur timeout. Ils ont pris leur timeout. Et ils essayent de trouver une solution. C'est quoi la solution, Bastien? Je suis pas sûr qu'elle existe, ou en tout cas, moi je suis pas assez fort pour la trouver. Je pense qu'il faut. Genre. Démo tous les joueurs de Moist en permanence. Zéro joueur sur le terrain. C'est pas les attaquer sur les contre-attaques, les rushs comme un débile en pré-jump. Les transitions, on a vu qu'il y avait des belles transitions côté Furia, ça peut être une des clés, hein, aussi. Les Moist qui peuvent se faire outspeed dans leur vitesse de back, on pourrait dire. Allez, la troisième game, si Moist la remporte, ce sont 4 balles de match et le début n'a aucun sens. Et voilà, le problème de Moist, c'est que ils peuvent pas imaginer quelqu'un rater la balle, du coup ça se fake de fou. Caillou, il a raté la balle. Ouais. Alors je pense qu'il a mis ça, vraiment. Je pense aussi. Mais bon, bah bien joué. Bah Ryze et Vatira dans le décor, du coup. C'est dommage. Les deux joueurs de Moist, ils ont sauté pour le contrer. Bah dommage, il aura jamais touché la balle. En vrai, c'est ce que j'appelle un lost trick. Oui. Le miss qui va te donner le premier but. Bien joué. Allez, après l'engagement, Joyo qui a pu récupérer le ballon, il va trouver un bum, ce qui va libérer du temps, j'imagine, pour ses coéquipiers. Ryze qui va seulement prendre le duel, Vatira. Il est tout seul sur cette balle, le clear est très long, il repart dans le corner opposé, attention à Joyo qui était à la retombée, Card qui vient dégager, Ryze qui arrive à prendre un super duel, Yann pour défendre le backboard, Yann encore une fois, Vatira peut-être au duel, il va y aller, Vatira, il attendait que son adversaire finisse de jouer, Vatira qui gagne tous ses comptes, la balle qui va revenir dangereusement, Card la lecture, elle est magnifique du côté du Brésilien. Ouais, la Vatira, il perd pas beaucoup de duels, hein, dans ceux qui sont gagnables évidemment. Ouh, quelle vitesse de la part de Caio, c'est très bien joué, Joyo. Ouais, qui va aller prendre ce challenge contre Yann. Il va le remporter ici, mais derrière, en premier, c'est Card qui va prendre cette balle. Oh, il aurait pu tirer, je pense. Ryze qui était un peu en difficulté. Il réussira à le jouer. Ouais, il essaie de pré-jump ce rebond, mais il est vraiment monté très haut. Caillou, bonne lecture ici. Double tap en essayant de se rapprocher. Ça va être dégagé par Joyo pour l'instant. On n'arrive pas à passer côté Furia. Ouais, on laisse Joyo jouer. On attend la bonne opportunité avec ce challenge de Card. Attention quand même, le dégagement de Ryze. Yann qui ne va pas réussir à contrôler cette balle. Joyo, à la quadruple tap. Oh, et Caillou va réussir à retomber sur le ballon de Vatira. C'est incroyable que les Furia ne se soient pas fait égaliser. Ouais, là franchement ils ont eu chaud, hein. En vrai Vatira il était là en plus, hein, pour aller prendre la suite. Joyo qui continue à push, Card dans la sauce, Joyo le contrôle, il fait la passe à son coéquipier. Oh là là, tout le monde saute, mais ça tient bon. Ryze qui est un petit peu en retard, il allait prendre la ressource, la chandelle de Caillou pour aller jouer Vatira, décoller bien entendu pour aller le bloquer très tôt dans les airs. Il aura même pas le temps de prendre son reset de ses lignes. Allez, Joyo qui vient prendre un premier duel, on a vu Ryze dans l'axe. Joyo il va essayer de lui faire la passe, la touche n'est pas assez puissante, il ne trouvera pas le bump. Caillou contre Ryze, ouais, la passe en retrait pour trouver Vatira, c'est bien fait. Vatira par contre il s'est fait bump là, mais Joyo la frappe est cadrée. Non, c'est sur le poteau, les Furia s'en sortent. Oh, il s'est fait bump si haut, il s'est envolé comme jamais. Ryze sur le côté, il va aller prendre le boost. Card là qui doit absolument essayer de s'échapper, mais c'est pas possible, on ne peut pas s'échapper là. Caillou qui va passer dessous Vatira, il a une bonne balle, il va faire la passe, il tout dévoile, il faut pas se planter. Quelle lecture de fou de la part de Yann. Allez, Ryze qui contrôle le duel avec Card.
Batira qui va pouvoir repartir dans les airs. Le flip reset pour essayer de surprendre Kayo. On a réussi à passer du côté du français. Attention, hein, on se jette un peu là côté Furia. Joyo voilà. Dans les airs. Le duel, ok, bien joué. Yann qui était à la retombée. Rice qui va pour essayer de la reprendre. Le flip reset qui est enclenché. Rice, est-ce qu'il peut marquer tout seul? Le fake ne suffira pas. Ah, il a attendu vraiment le dernier moment avant de déclencher. Hein. Il attend au maximum. Joyo, il va prendre son reset. Joyo, il peut aller faire le reset pump. Le pancake de Rice. C'est un pancake qui a essayé de pancake. Je suis pas fou. La passe de Batira, oh là là, les Furia qui sont sous pression, mais ça va, ils ont pu récupérer un petit peu d'air. Allez, Rice qui va faire la passe à Batira, on repart directement de l'autre côté. Est-ce qu'il y a Joyo? Non, mais on est sur le corner. Kayo qui clear. Joyo, le voici, il y a eu des démolitions. Joyo qui va réussir à remporter tous ces duels. Le petit bump pour donner l'open. Guard qui vient défendre. Batira face à Yann. Bien joué de la part de Batira, encore une fois, le duel qui est incroyable du côté du français. Le bump peut-être, non, Yann qui vient défendre. Ouais, là, ils ont le temps de revenir, ils sont acculés complètement la tête contre leur propre backboard des Furia, mais ils tiennent bon pour l'instant. Et c'est admirable le 50-50 de Batira ici. C'est Rice maintenant qui prend la relève. Très anticipation de Kayo qui va essayer de s'échapper, mais Joyo après jump il y a longtemps. La lecture de Rice, la double tap avec le sol peut-être. Non, ça va être repris par Yann. Oh, quel plat de Joyo, c'est incroyable, il n'y a personne pour tirer. Allez, Batira sur cette balle, il va arriver devant Card. Il va pouvoir rejouer le ballon normalement. Batira, il arrive à la pousser un petit peu. Le contre sur Kayo sera remporté par les Furia. Rice la frappe direct, c'est stoppé par Yann. Card, Yann, c'est Yann qui retourne. Et open. Ok, on tente l'open. Joyo, eh bah oui, c'est dedans. Ouais, et bah tout simplement. Et oui, après avoir attendu deux minutes collées à leur propre backboard, et bah tout simplement la démolition ici, la démolition P3 évidemment, le troisième joueur qui s'est fait avoir, Joyo qui n'a pas le temps de revenir, et bah quelle défense de la part de Furia! Incroyable, ouais, incroyable. Ils ont tenu une phase de siège de Moïse qui était longue pourtant, vraiment longue. J'étais épuisé pour eux. Allez, le kick-off, Card qui va en profiter. Rice qui va essayer d'y retourner. On attend patiemment là du côté de Rice. On va réussir à prendre le contre. La bonne démolition qui devrait libérer de l'espace pour Batira. Il arrive à passer le français, mais là c'est... Ok, Joyo qui va jouer là-bas. Je pensais qu'Yann allait trouver une passe en retrait, mais pas du tout. On cherche le bump sur Card. C'est réussi, Rice qui prend le contre. Joyo encore la retomber peut-être. Non, on laisse Batira la jouer cette balle. Card de l'autre côté. Rice qu'il ne peut pas la prendre, il va la remettre dans son backboard en espérant que Joyo puisse défendre. Ouais, Joyo il va réussir à dégager une première fois, mais il y a Kayo. Oh là là, les pré-jump, il a sauté bien avant que l'adversaire finisse son contrôle. Va tirer, attention, ouais. Après, c'est vraiment le meilleur dans cette position. Oh, là là. Oh, le bump de Joyo, c'est pas mal. Côté opposé, Rice qui va aller jouer Kayo, qui va avoir un monster ici, qui va pas le prendre. Il va le faire en deux temps. Pff, c'est quoi ce challenge? Il a fait la passe dans l'axe. Yann, est-ce qu'il peut la reprendre? Non, Joyo sera premier dessus. Ça repique. Ah, on va tirer, il a pas mal de place. Va tirer, il a pas mal de place. Il peut s'envoler. Batira, il s'envole, mais il s'est fait bump dans les airs. Il s'est fait bump, il n'a pas pu continuer notre français. Attention à Rice qui arrive à éliminer un premier joueur. La double tap derrière, le bump sur Card. Joyo qui va pouvoir la reprendre. On a du boost du côté du Britannique. Le flip reset, c'est instantanément contré par Kayo. Yann qui va se faire passer par Rice. Batira, la double tap. Elle n'est pas cadrée, mais Joyo derrière, non. Kayo qui vient fermer l'anglais. Furia ont une défense de fer. Et ouais, ils n'arrivent pas. Oh là là, le reset de Joyo, le flip reset. Incroyable. Il a... Il a pris cette balle en reset directement. C'est incroyable, c'est incroyable. Mécaniquement, c'est incroyable. La lecture est folle. Mais ça ne suffit pas. Le but est beau, le but est très très beau, mais ça ne suffit pas. Ce sont bel et bien les Furia qui arrivent à reprendre cette troisième game. Et encore une fois, le timeout buff. Après ce timeout, les Furia qui remontrent un très beau visage. Ouais, là franchement, ils vont apprendre de cette game. Les Furia, là, ils sont en train d'apprendre à défendre, hein, concrètement. C'est un truc ils le de font fou. Bien. C'est incroyable, ils ont pas craqué quoi. Non. C'est vraiment ça. Il faut que c'est pas compliqué de gagner. Contre Moïse, toi, il faut pas craquer pendant 3 minutes sur reset. Tu prends 3 minutes de double reset dans la tête. C'est ça. S'il y a pas but, bah tu tires un long shot, tu marques. Voilà. En gros, c'était facile en fait. Tout simplement la stratégie contre Moïse. Maintenant, il va falloir réussir à l'appliquer parce que faire ça sur les trois games qui manquent à Furia, ça va être compliqué, mais on a une piste, on a déjà quelque chose pour les Furia pour arriver à canaliser un petit peu ces Moist. Ouais, bah voilà, hein, je pense qu'on a tout dit, hein, les Furia, ils doivent tenir le coup et contre-attaquer, prendre un dunk à un bon moment. Parce que, voilà, comme ils sont en sur-régime en permanence, forcément, ils libèrent des espaces, c'est pas possible autrement. Hein. Soit tu te fais complètement exploser, ce qui est le cas de la plupart des équipes qu'ils rencontrent, soit tu arrives comme ça à tenir à 3 avec que tu te partages 2-3 pads.
et t'essaies de tenir le coup. C'est t'attends ça. Que la tempête passe et à un moment il y a une boulette, une erreur, une opportunité, il faut la saisir pour tirer l'open et essayer de tenir comme ça 5 minutes. Mais tu sais, même quand tu gagnes dans ces situations, t'en peux plus en fait. Ah, c'est compliqué, hein, c'est très compliqué. Il faut réussir à trouver des failles avec des démolitions dans la rotation de Moist, réussir à casser ce joueur qui doit les challenge après le challenge en cours pour justement s'offrir cet open. Mais c'est si compliqué de faire ça puisqu'il faut défendre surtout contre ces Moist. Allez, on est parti, la quatrième game. Si jamais les Moist la remportent, ce sont toujours des balles de match qui vont s'offrir à eux. Si jamais ce sont les Furia, c'est une égalisation dans le BO. Ouais, puis on les connaît les Moist, en plus ils ont du genre à monter en puissance au fur et à mesure d'un BO, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'équipes. Hein. Non. C'est vraiment très spécifique à cette équipe qui joue tout dans la mécanique. Ils vont être de plus en plus dedans et les flip presets seront de plus en plus puissants. Alors qu'en face on fatigue quoi aussi au bout d'un moment. Attention à ce challenge, c'est bien dégagé. C'est bien dégagé effectivement par Kayo, ça va libérer beaucoup d'air. Allez au Furia. Oh là, Vatira qui a raté son crochet, Yann qui a pu le punir. Rise la tentative de petite passe pour Joyo. Attention à Card, la double tap peut-être, il ne la trouvera pas. Joyo derrière qui va dégager Kayo pour intercepter. Ok, Joyo qui prend les duels encore. Vatira qui continue, Kayo qui n'a pas le droit de toucher ce ballon. Oh, le redirect de Joyo, ça a failli être incroyable. Ouais, il n'était pas évident à négocier celui-là, c'est incroyable hein, qu'il ait réussi à s'approcher autant du but. Ouais, Card, si en plus il faut regarder derrière soi, il n'y a pas de moyen de faire ça hein, dans ce jeu, c'est un problème. 50-50, Joyo, il a tout le boost qu'il veut. Oh, le pre-jump de Kayo, il l'a vu. Il est obligé de se précipiter, la double tap vers le sol, hein, ça va être sa seule option évidemment. Il va y retourner. Si, Card peut-être, est-ce qu'il peut s'échapper? Le dunk de Rice, hein, ils arrivent à passer. Kayo qui Card qui enchaîne les bons duels. Allez, Vatira qui va pousser sur le corner. Ah, cette balle qui flotte. Kayo derrière le petit décalage dans l'axe. Joyo pour faire la parade. Rice, Joyo, c'est Joyo qui va essayer de prendre le duel. Mais Card est largement en avance. Vatira pour défendre le contrôle du français. Le duel est remporté dans un premier temps. Yann qui fait la passe à Kayo, la frappe derrière. Ce n'est pas cadré, défendu par Rice. Ouais, attention, Card contre Rice. C'est bien joué. Yann, il a pas mal de place. Il va essayer de s'envoler. Il essaie de passer vite. Ouais, il y a Joyo hein, qui lui a sauté dessus instantanément. Card qui veut maintenir la pression avec Kayo. Quelle belle action! Mais on a voilà trois joueurs sur la ligne là. C'est pas mal. Rise qui se bagarre avec Yann. Yann qui arrive à bien tirer son épingle du jeu. Le fake qui passe. Oh, what? Incroyable, ils se sont bump entre eux. C'est peut-être maintenant pour les Furia. Oh. C'est raté, Card. Peut-être qui finit par se libérer. Furia, ils sont vraiment super forts. Hein. Beaucoup d'erreurs là dans la défense des Moist et on vient capitaliser. Rise et Joyo qui passent à côté de la balle et Card qui peut trouver un open. Mais comme tu le dis, on ne se laisse pas du tout impressionner du côté du Brésil et des Furia qui arrivent à prendre l'avantage dans cette quatrième game. Allez, le kick-off. Rise qui va pouvoir essayer de follow. Card, le duel avec Joyo. Rise, encore une fois. On essaye de partir dans les arrières. Vatira pour l'accompagner. Attention, les deux joueurs ont été battus. Joyo à la retombée du ballon. Kayo au duel. C'est remporté par le Brésilien. Yann qui va très vite. Rise, il est obligé de défendre maintenant. Ouais, Vatira qui va essayer de s'échapper ici. Le flip reset pour éliminer son adversaire. Mais il y a Yann derrière pour aller accélérer. Rise bien positionné. On va balancer ce ballon. Est-ce qu'on peut la récupérer, Vatira, qui va s'avancer très vite. Rice qui essaie de lui repasser, mais Kayo a dit non. L'interception de la passe ici, qui est bien, bien faite. Joyo, qui va essayer de reprendre cette balle, il va partir solo. Non, il a décidé encore une fois de passer, mais on a toujours un joueur de Furia dans les airs hein, pour les bloquer pour l'instant. Peut-être maintenant, avec Rice qui avait bien l'intention d'aller au bout tout seul. Va tirer la tentative de passe dans la carte, l'a vu venir, et attention, c'est quasiment open là pour Yann, qui va essayer de partir sur le ceiling. On a eu le temps de revenir, la petite passe pour Kayo, la frappe, c'est bloqué par Rice. Card derrière qui va pouvoir reprendre. Va tirer qui se fait éliminer, mais Joyo peut dégager. Très intelligent de la part du joueur Furia, Yann qui va pouvoir y aller en deux temps. Attention à Kayo, hein, ce n'est pas cadré pour l'instant. La double tap, même s'il la touche, elle ne sera pas forcément dangereuse. Attention à cette balle, Kayo qui ne pourra rien faire. Bâtir à la passe, c'est Yann qui intercepte. Yann, il est dangereux dans ce genre de position. La petite passe pour son coéquipier et c'est bloqué par Joyo. Ils arrivent vraiment à bloquer toutes les transitions de Moist, sont complètement bloquées par les Furia et ça c'est très bien joué. Celle-ci peut-être, non, celle-ci on va pouvoir aller toucher. Oh, ça va être difficile de défendre. Le retour de Kayo in extremis, c'est très bien joué. La démolition qui fait très mal, il a pas de boost. Vatira, c'est quasiment open. Il va pouvoir quand même prendre son pad et défendre. Joyo qui a spawn, qui va devoir hériter de ce ballon, mais il va avoir besoin d'aide là. Ouais, Joyo qui a réussi à dévier le tir derrière, mais ça reste dans le camp des Moist que la pression est avec cette passe de Kayo pour Card. Le pré-shot de Rise, Card du coup qui a décidé de fake. Joyo dans les airs. Ouais, il y a eu un bump sur Yann. On peut essayer de remonter du côté des Moist. Joyo qui attend pour prendre son challenge. Kayo qui vient le stopper. Kayo dans les airs, pas énormément de ressources. Vatira pour essayer de le contrer. Pas du tout de ressources non plus. Hein. Vatira qui a sauté avec zéro de boost, pas de problème. Card qui vient la remettre. Rise encore une fois, on est dans le corner. Ouais, attention à Card.
le contrôle de balle, ça part en air dribble, Vatira là qui va s'effacer au profit de Joyo et va faire sa rotation côté opposé. Yann, ouais, le bloc, Vatira qui s'envole, qui va pousser cette balle. Donc c'est cadré, car problème, il va pouvoir aller la bloquer. Une minute et les Furias sont toujours devant, on n'arrive pas à attaquer à côté Moist. Ouais, Joyo qui vient la remettre, Yann derrière qui dégage. Attention à Vatira, le petit passe, c'est pour Joyo. Le tir direct, c'est dedans, je crois. Non, c'est sur le poteau. Et derrière, Karad a réussi à s'interposer sur l'open qui allait être marqué. Vatira qui essaye le crochet sur Yann, ça ne fonctionne pas. Joyo derrière qui vient la remettre sur le français. Vatira qui va essayer de reprendre le contrôle, de partir dans l'axe, mais on les bloque. Les Furias ne laissent rien passer des Moist. Allez, Yann dans Caillot, pardon, bloqué par Joyo. Joyo encore une fois, qui va pouvoir relancer. On a un petit peu d'espace du côté de Joyo. Le contrôle de balle, la passe pour Vatira. Il s'est fait bump par Caillot. Il ne peut pas marquer. Ouais, c'était pas loin encore une fois, mais quelle défense de Furia hein, qui maintient un régime extrêmement élevé. Joyo, le dégagement ici, il va falloir la récupérer. Yann sur le backboard, dans le corner, ça va drop. Pas de problème pour Rice qui va pouvoir aller balancer, mais 19 secondes, il faut marquer maintenant. Ah, ils sont forts, ils sont très forts. Attention à Caillot dans les airs, la double tap qui est tentée. Elle ne sera pas dedans, Card qui la remet. Je crois que c'est cadré, Vatira qui fait la parade, mais c'est open, non. Rice qui peut revenir, Joyo, la contre-attaque peut-être, le air dribble. La tentative de passe bloquée par Yann. Rice qui va remonter sur le corner. Rice encore une fois bloqué par Caillot et c'est fini. La balle va toucher le sol, ce sont les Furias qui égalisent. Et pas n'importe comment, les Furias ils dominent littéralement les Furias ici, incroyable. Pourtant ils ont l'air en forme hein, les Moist, ouais. Mais en fait ils arrivent à cut vraiment très très bien les passes, ils arrivent à pre-jump super bien. Sur le mur et tout, on n'arrive pas à servir en fait. Ils sont rapides en fait, ils sont très rapides les Furias, et là bah, ils ont réussi un petit peu à s'adapter au gameplay de Moist, ouais. Autant au début ils subissaient énormément. Autant là, bah, on va aller les chercher assez rapidement, on est plus incisif dans les duels, on arrive un peu à... La force de la game, c'est un peu déporté dans le camp des Moist qui, maintenant, a du mal à sortir de son camp. Ouais, clairement, hein, les Furias, ils ont la domination territoriale, ce sont les Moist qui font les erreurs, et les Furias continuent de mettre de la pression, d'essayer d'en provoquer. Effectivement, hein, l'open de Joyo raté, qui coûte cher, hein, ça aurait donné l'égalisation aux Moist. Ce n'est pas grave, de partout dans le BO, les Furias qui nous montrent un excellent visage depuis la prise de timeout. Est-ce qu'on fait pareil côté Moist? Eh ben, je ne sais pas, en tout cas, alors ils n'ont pas de coach, hein, Moist, je crois. C'est pas. Vrai. Après, ils peuvent quand même prendre des timeouts. Oui, tout seul. Est-ce qu'ils font des pauses? Je ne sais pas. Je pense pas. Est-ce que c'est les joueurs qui callent les timeouts, du coup? Je ne sais pas. Ils je ont quelqu'un derrière eux ou pas? Je crois que oui. Non, non, il y a personne derrière. Bah, il y a un arbitre, enfin, il y a un admin, quoi, mais je crois pas qu'il y ait de coach. Il hein. Y a vraiment ni coach, ni manager, ni rien. Ah, si, il y a un coach, mais si on est bête, c'est Simon en plus. Rise, mais oui. Je suis bête. Oh là là, du père, les casters, du père. Oh, on est parti pour la cinquième game. Celui qui la gagne, ce sont des balles de match qui s'offrent à lui. Allez, attention. Rise, ouais, qui veut prendre le fake et la passe derrière. Vatira qui veut pouvoir bloquer la balle sur le côté. Vatira, ouais. Il va prendre le 50-50. Ouais, on va laisser cette balle, Joyo. Joyo qui s'envole, il va essayer de double tap là. Là-bas, oh, c'est un gros oh, quel arrêt de la part de Yann. Le tir qui manquait quand même pas mal de puissance. Allez, Vatira qui va pouvoir y retourner. Le fait preset, il ne sera pas tenté, mais il arrive à prendre le duel. Joyo, Rice, c'est Rice qui est dans les airs. Il fake. Ok, pour Joyo, j'ai l'impression ouais, qu'il va prendre le duel sur Kayo. Vatira derrière qui se fait battre. Rice, il n'ose pas y retourner, mais attention là, on va essayer de tirer directement côté card. Rice qui dégage la balle dans l'accès pour être exploitable. Kayo qui va la lire. Joyo. Dans les airs, air dribble, stoppé par Yann. Yann derrière qui tente le pinch, ça va être défendu par Vatira. Ah, attention à Rice qui s'était complètement jeté, là on avait été un peu naïf sur ce coup-là. Vatira qui clear, Vatira en deux temps pour la renvoyer de l'autre côté chez les Furias. Ouais, card, ouh, le 50-50. Ouais, ça passe encore côté Furias. Joyo qui essaie d'accélérer un petit peu le jeu, Rice qui est parti très loin. C'est Vatira qui va devoir se coller à ce challenge. Et belle accélération de Yann, hein. Incroyable, mais Rice en deux temps. Vous laissez cette balle drop, Vatira. Ouais, il a raté son contrôle, je crois. Card, Yann, ok, on va la laisser à Card qui a de la ressource, qui avait un bon positionnement. Joyo qui va se faire éliminer. Rice derrière qui peut la reprendre. Allez, Rice qui continue son effort. On essaie de partir dans les airs. Yann pour la stopper. On est dans le corner où Kayo va l'attendre. Attention, la touche de Kayo est ratée. Vatira qui en profite. Vatira, est-ce qu'il peut retourner le bump peut-être? Card l'avait vu et il a pu venir s'interposer. Joyo qui touche la balle bizarrement. Card qui la renvoie. Rice sur le corner, Vatira pour reprendre, on dégage mais pas pour longtemps. Incroyable qu'il ait réussi à intercepter ça, mais ça peut se retourner contre lui. Vatira qui va faire la passe, il tout bête pour Rice. Et encore une fois, ça ne passe pas, on n'arrive pas à marquer côté Moist. Pourtant, c'est pas faute d'être créatif. Hein. Ouais, c'était beau ça. Hein. C'était bien essayé, il aurait pu bourriner aussi tout seul, je pense. Mais il a préféré jouer collectif là. Ouais, il n'aura pas assez de boost. Yann, oh Joyo là, qui va envoyer le missile. Rice, il a une bonne position. Il va faire une passe, encore une fois, la porte est fermée.
Tanibashi. Allez, Vatira qui va réussir à renvoyer cette balle, mais c'est pour Yann. Là, c'est gratuit. Il était tout seul sur ce ballon. Rice dans les airs qui va au speed largement. Kayo. Card qui est tout seul. Vatira pour le bloquer. Joyo juste derrière. On cherche un bump. Non, c'est Rice qui va la prendre. Joyo le voici. Il essaye de pousser, mais Kayo qui va réussir à prendre le challenge. Kayo qui continue le duel. Ouais, ça repart dans l'axe. Vatira pour faire la para à Diane dans le corner. Attention, la lecture, elle est bonne du côté du Brésilien. Rice derrière qui peut récupérer le full preset pour gagner un peu de mètres. Card qui stoppe. Joyo qui dégage. Ce n'est pas cadré pour l'instant. Joyo peut-être en deux temps. Kayo qui défend. Ouais, ils sont vraiment super forts les Furia, hein. C'est un truc de fou. Attention, la passe pour les poteaux. Joyo qui va être un petit peu en retard. Vatira qui va laisser Joyo. Ouais, c'est Rice donc qui va s'emparer de cette balle et qui va essayer de partir en dribble avec un deck. Mais incroyable, ça passait, mais ils étaient deux, du coup il y avait but. Allez, Card qui va la reprendre. Le duel avec Joyo remporté par le Brésilien, mais Vatira derrière qui peut remettre de la pression. Vatira encore, Yann pour le stopper. Joyo, le petit décalage. Yann, pardon. Oula, tout le monde s'est fait bump. Yann, c'est quasiment bump. Vatira, il aura le temps de revenir. Attention quand même à Card là qui va pouvoir récupérer. Beaucoup de ressources dépensées, mais pas de touche de balle. Vatira bloqué par Yann, c'est open. Rice, quelle parade. La détente de Rice là qui permet à cette équipe de s'en sortir. Le flip reset de Rice. Du score au Moïse, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas mené dans ce BO et ils vont pouvoir enfin avoir un petit peu de répit, quoique hein, ça devrait accélérer fort côté Furia maintenant. Joyo qui n'a plus de ressources, qui va essayer de pré-shot, il n'a pas réussi. Yann s'est bloqué par Rise. Card dans les airs, Joyo de l'autre côté, Joyo qui ne pourra rien faire. Kayo le relais, il est très bon. Kayo qui essaie de faire la passe, il s'est raté, mais Yann juste derrière. Attention à la remontée terrain du des Furia, la petite balle dans l'axe. Card pour la récupérer, la passe elle est là, mais Joyo qui défend. Ouais, Joyo qui va essayer d'aller s'échapper le flip reset pour essayer de battre Kayo, mais il arrive à le voir, je ne sais pas trop comment. Kayo qui va faire la passe rapide ici. Joyo qui laisse passer, il espérait fake, mais c'était quand même vachement dangereux, hein. Oui. Attention, ouais, cette balle, ok, Card qui la laisse pour Kayo. Yann le redirect. Ouh, ce n'est pas cadré, ce n'est pas trop dangereux je pense. Vatira qui s'est fait bump, c'est compliqué pour lui. Attention Card parce que lui il a eu le temps de revenir. Rice le duel, Yann pour la remettre. Rice, il va pouvoir dégager. Ouais, avec l'aide de Joyo. Ouais, il y a eu le call, il n'y avait pas de boost. Joyo qui va y retourner. Rice. Non, c'est Vatira qui va s'emparer de ce ballon. Il est le premier dessus. Premier arrivé, premier servi. Attention à cette balle, ça peut être dangereux. Il arrive vite, Rice, pour aller contrer son adversaire. Est-ce qu'il peut y retourner? Rice, évidemment, qui va y retourner. Le contre, est-ce qu'on a un joueur? C'est Joyo qui va aller mettre la frappe. C'est bien joué, mais quel arrêt de la part de Card. Elle peut pas terminer avec Vatira qui va remettre la balle dans l'axe. On s'envole côté Card. La transition avec Yann, c'est bloqué par Rice. La balle qui va drop. C'est Kayo qui va s'en emparer pour essayer de passer. Mais Vatira va la terminer sur le côté. L'accélération de Vatira. Peut-être on passe dessous pour Card. C'est très bien joué. C'est Joyo qui prend la suite. Encore une fois, beaucoup d'efforts côté Moïse, mais ça tient bon côté Furia. Kayo qui va repartir dans les airs, on essaye de trouver une occasion de contre-attaquer, il reste 10 secondes. Joyo qui part dans les airs, Joyo lui a joué pas, Joyo qui élimine tout le monde, ce n'est pas cadré. Il y a besoin d'un dernier geste, Vatira pour la pousser dedans et s'assurer les premières balles de match dans ce quart de finale. Et cette fois, c'est but. Ils ont pas mal galéré les Moïstes, mais oh, ils vont continuer à augmenter le régime. Hein. Il n'y a pas de mur assez haut, je pense, hein, pour empêcher les Moïstes de passer. En tout cas, les Furia là, ils ont fini par craquer, mais ils ont pas dit leur dernier mot. Ils sont vraiment, vraiment super en forme. Mais attention, Rice pour la petite masterclass. Pour le plaisir. C'est pour le plaisir, c'est pour la confiance, c'est pour être lancé pour la prochaine game que Vatira vient mettre ce dernier but. Et Rice qui a fait tout le travail, évidemment. Très beau, très belle game de la part des Moïse, qui cette fois-ci ont réussi à trouver la faille dans cette défense et surtout à ne pas prendre de but assez rapide du côté Furia et donc à ne pas se faire mener à devoir courir après le score tout le long de la game. Là, c'est eux qui ont instauré la domination dès le début. Ouais, là clairement ils ont augmenté un petit peu le régime, même si on voit des fois des erreurs défensives. Hein. Oui. Ils arrivent bien à passer les Furia. Hein. Ils arrivent à les mettre forts, en difficulté. Hein, ils sont forts. Je suis vraiment absolument très impressionné par le niveau proposé par Furia parce que les Moïse, ils sortent leur jeu classique. C'est peut-être pas leur top form, mais c'est plutôt un bon niveau de forme. C'est un bon Moïse. C'est un bon Moïse qu'on voit là. C'est un Moïse de LAN, un Moïse qui est là pour aller récupérer le titre. Hein. Ouais, Moïse, ça joue clairement la victoire. Et les Furia tiennent bon. Ils sont vraiment forts. Furia est une équipe excellente, effectivement. Et elle n'est pas menée par Yann. Là, on voit aussi bien Card, on voit aussi bien Kayo. C'est vraiment un groupe Furia là, qui joue contre les Moïse. C'est un collectif. Il n'y a pas vraiment de joueurs qui se démarquent plus que les autres, j'ai l'impression. On joue tous ensemble. On se jette face aux Moïse. Et on tient vraiment bien le coup. Ils n'ont plus de timeout.
Ils n'ont que quelques secondes pour essayer de se refocus, essayer de tenir face aux balles de match, puisque là, Moist, après la prochaine game, s'il la gagne, c'est une place en demi-finale contre BDS, les Furia qui doivent tout faire pour les stopper. Ouais, il faut aller chercher sa place contre BDS, hein. Quel chemin de croix, c'est World, hein, pour arriver à... J'ai fort fourni. Oh là, moi j'ai la flemme. Je suis bien dans les gradins, mon cher Bachi. Attention à Ryze, qui va mettre un missile dans quel jeu. Bah, les premiers dès le kick-off, hein, on est très agressif, que ce soit côté Furia ou côté Ryze, ou côté Moist, pardon. Très bon duel de la part de Kayo, qui est très rapide. Attention, il peut retourner. Ryze pour le stopper, Joyo pour dégager. Ouais, attention à Card, ils sont précis, mais il manque un peu de puissance, les Furia. Oh, attention, voilà la précision, là le dunk il est fou, il arrive avec un angle de l'enfer, Gad, pour aller marquer le premier but, les Furia c'est pas fini. Ouais, le contrôle de Vatira peu délicat et on vient punir du côté de Yann et on trouve l'ouverture du score pour les Furia. C'est allé très vite, hein. Encore une fois là les Furia qui vont mener, les Moïse qui vont courir après le score. Ça a été difficile pour eux depuis le début de ce BO quand on a ce scénario, même si, on le sait, ils sont excellents. Attention, Ryze qui va pousser. Ouais, Ryze lève, c'est parfait là, le duel. Yann qui va réussir à intervenir. Kayo, le duel avec Vatira, on est dans le corner. Yann pour essayer de la remettre. Ça pousse sur le côté. Ouais, Kayo qui arrive à intervenir. Kayo encore une fois, c'est Vatira cette fois-ci qui peut renvoyer de l'autre côté. Card l'interception, la passe pour Yann pour dégager. Ouais, côté opposé, Joyo qui va pouvoir faire son contrôle sur le mur. Il va s'envoler, Joyo. Il a de la place, il cherche Vatira. Côté opposé, il va manquer un petit peu de ressources, je sais pas trop ce qui lui a manqué, mais ça ne touchera pas. La démolition ici qui peut être embêtante, hein. Yann qui est passé au travers d'un des derniers défenseurs. Ryze qui essaie de dribbler, gagner un petit peu de temps pour son équipe. C'est Joyo qui va laisser lancer sur ce ballon, très rapide comme d'habitude, mais attention à Yann qui peut complètement double tap ici. En tout cas, ça fait une belle passe. Ryze a le temps de défendre, mais les Furia toujours aussi précis en attaque, hein. Allez Ryze, ouais, le décalage de Card, Vatira qui la renvoie très fort. Yann en Kayo, pardon, pour essayer de récupérer cette balle, il a réussi à éliminer Vatira, il élimine Joyo dans un second temps et il renvoie la balle dans le camp bleu. Ryze qui peut essayer de pousser un petit peu l'interception de Yann. Est-ce qu'il peut avoir son fil brisé? Yann, il vient de nous mettre une masterclass, le Brésilien. Qu'est-ce que c'était que ça? Il vient prendre le flip reset ici, il attend que la balle retombe, il change le sens, Vatira ne peut rien faire, les Furia font le break. C'est un reset double tap tout à fait particulier, c'est en même temps, c'est fou. Alors là vraiment, quel highlight de fou, j'ai pas compris tout de suite ce qui s'était passé, c'est pour ça que j'ai rien dit. Putain, hein, comment ça? Comment ça Yann? Oh, Joyo qui arrive à passer. Ouais, attention ici à pas laisser l'open. Ils sont rapides, les joueurs de Furia. Oh, très très belle accélération de la part de Vatira. Mais Yann, hein, si fort, qui va réussir à, encore une fois à bien lire le jeu des Moist. J'ai l'impression que ça leur convient bien, le jeu de Moist. Il y a faute, mais ça joue. C'était compliqué là pour les Furia, mais ils ont réussi à tenir. Bon, attention, Yann qui va partir au dribble. Yann qui trouve le fait preset. Yann qui ne va pas l'enclencher, c'est un fake. Mais Vatira va réussir à le lire. Le duel de Vatira, ça atterrit dans les roues de Ryze. La petite passe pour Joyo. Je crois qu'il a son reset. Il va réussir à partir dans les airs. Joyo pour donner la réduction du score. Mais qu'est-ce que c'était que ça, Horner? Mais c'est pas possible, faites une pause. C'est quoi ce contrôle de fou furieux? Il a virevolté, il a éliminé son adversaire. Quelle masterclass! Ça se rend highlight sur highlight du côté de Moist et de Furia. Allez, le back left pour Joyo. Il va pouvoir partir dans les airs. Joyo, il a un fait preset enclenché. Reste qui cherche le moustique. Le moustique. Oh, c'est un moustique. Ce n'est pas grave. Oh, c'est un moustique proposé ici. C'est dommage parce que là, on était prêt à l'acclamer. Tout était prêt. Ouais, le 50-50 Joyo. Vatira qui va pouvoir turn. Oh, la démolition de patate! C'est but! Ouais, c'est dommage parce que le but est beau mais il compte que pour un. Le but est beau mais effectivement il ne comptera que pour un. Utian aussi était beau en même temps. Et là c'est l'open, la bonne passe de Kayo, la contre-attaque évidemment. On sait que c'est l'endroit où les Moïse seront toujours le plus faible vu leur style de jeu. 2 minutes 30, la moitié de la game, les Furia mènent de 2 buts. Et ouais, et là on a peur, hein. Moi je suis très effrayé là par cette équipe de Furia. Oh. Attention à la double tape, ils savent faire, on triple ou quadruple tape pas, ça on est là. Allez, Vatira sur le côté, est-ce qu'il va pouvoir aller chercher ce challenge? Ryze le bloque sur le côté. Card, ouais, Joyo va réussir à le lire. On va laisser passer Ryze parce qu'il a plus de boost, toujours la bonne communication. Ils prennent les relais très très bien, les joueurs de Moist. Attention, ce duel perdu. Vatira, l'aerial of fall ici pour aller servir un joueur. Joyo en l'occurrence, mais Yann encore une fois, il est de toutes les interceptions. Ouais, Yann il a décidé de s'énerver, là ça devient compliqué pour les Moist. Furia qui a passé la vitesse supérieure et Vatira qui va essayer de dégager. Joyo battu par Karn, mais c'est dangereux cette balle. Yann qui sera le seul dessus. Vatira
Est-ce qu'il va aller challenge? Non, on a Vassil y aller, mais un petit peu tard, je crois. Rice qui va réussir à dégager. Card, Caillot finalement sur le corner. La lecture de Vatira est très bonne. Il arrive à la repousser, mais c'est dans les roues de Yann qui élimine Joyo. Rice est le dernier défenseur. Il est en V2. Il fait le décalage et ça ne changera rien. What? Vatira, le squishy save. C'était quoi ça? Mais c'est pas possible. C'est le plus beau squishy. Tous les duels derrière, on ne sait pas comment, et qui vient donner l'open net à Vatira. Plus qu'un petit but pour les Moïs. 1 minute 20 pour aller le chercher. C'est vraiment des fous furieux. Il n'y a pas d'autre mot. Et attention à Rice là. Ouais, le 50-50 dans les airs. Il est au profit de Furiam. On va pouvoir récupérer la possession. Joyo, l'accélération. C'est bien bloqué par Card qui va pouvoir y retourner. Est-ce qu'il va partir en solo? Il va essayer de double tap ici. C'est raté, mais il y a du backup. Et c'est but encore une fois. Furiam qui arrive à viser juste. Ah, ils sont très bons. Ils sont très très bons. Card avec sa double tap ratée. Mais ça fait une passe parfaite. Vatira. Il était obligé qu'il était pas loin. Il y avait double tap. Vatira l'arrêtait. C'est simple. Card n'aurait pas pu la mettre. Mais il n'y a pas eu de double tap. Et ça a fait que tout le monde. Une minute de but à mettre. Les Furiens ont repris leur avance. Ouais, là. Et là, ouais. Et là, TBDS, t'es un peu en mode. Ah. Oh, Joyo, attention. Ouais, le drop du ballon. Yann sur le côté. Vatira qui va aller se faire un setup. C'est un peu lent. Card qui va réussir à trouver l'opportunité. Caillot à la retombée. Rice qui va pas le laisser jouer. On essaie de trouver un coéquipier ici. Oh, c'est un peu confus. On accélère encore plus. La passe pour. Ah, ils voulaient des mots, je crois. Ils se sont pas compris. Vatira, le crochet. Vatira. Allez, Card qui va réussir à fake. Joyo, il arrive à gagner ce duel grâce à Sayan qui la lui remet. Card, la frappe, c'est quasiment open, la double tap. Oh mon dieu! Et dedans, les Furias sont inarrêtables. Les Furias vont bel et bien nous emmener en Game 7. Les Furias, ils sont là pour gagner la coupe. Transition défense-attaque et tout double tap. Ça rentre Yann, c'est le meilleur joueur du monde. Ils sont forts, ils sont forts, ils sont incroyables. Les Furias sont vraiment très très bons là sur cette action. Pas que sur cette action, sur ce BO, tout simplement le fake kick-off pour les Moist. On en est là. On reste pour Joyo. Card qui va réussir à dévier. Allez Joyo qui essaye de prendre le duel. Yann qui va pouvoir la reprendre, mais il reste 20 secondes. Ça semble impossible à moins d'un but instantané, mais on est dans le camp des Moist et on s'éloigne de plus en plus des Clash Furia. Ouais, là ça paraît plié, mesdames et messieurs, 17 secondes. On va bel et bien aller en Game 7, les incroyables Moist mis en difficulté par des Furia complètement enragés. Mais qu'est-ce que c'est que tous ces joueurs? Et ça continue! Qu'est-ce qu'il a fait encore? Mais je m'en vais, moi! Yann, il est là. Regardez la première touche, le flip reset pour Fake Vatira. Le Messi! Pour finir, le festival brésilien, le carnaval de Yann qui arrive à mener de 4 buts Furia, donner 4 buts d'avance pardon au Furia à 4 secondes. Ça ne changera rien. On va partir en Game 7. Peut-être un dernier highlight, le pinch hitting de Joyo pour Rice. Rice qui part en double tap. Joyo qui est là, on ne sait pas pourquoi. La balle touche le sol. On part en Game 7. Ah, j'en peux plus. Mais attends, on va sortir les tableaux et on va noter les buts en fait. Hein. Oui. C'est un truc de fou. Ils peuvent pas juste, tu vas tirer dans le but. Non. Il faut obligatoirement qu'il y ait deux passes des à 150, presets, une double tap. C'est une dinguerie. Non mais attends, le gars il a quand même claqué son meilleur reset musty alors que la game était pliée quoi. Oui, c'est pour le plaisir, pour la mémoire musculaire quand voilà, même. Voilà, c'est ça, on est là pour s'amuser. Écoute, il a des musty hein, cachés sous sa casquette. Yann, il y en a encore beaucoup, j'ai l'impression. C'est un truc de fou. Mais en face aussi, il y a de gros clients. Les Moist contre les Furias, ce match tient plus que ses promesses. Ce match est absolument extraordinaire. Et les Moist qui sont en grande difficulté contre cette équipe sud-américaine, cette équipe brésilienne qui, depuis le dernier split, passe son temps à atomiser les records. Et ça, mais attendez, mais les 5 meilleurs buts de la journée, ils sont dans ils ce sont, match ouais, en fait. Y a moyen, ouais. Genre t'as dans, je sais pas, sur le top 10 des buts du jour, juste beaucoup, dans ce match-là, il y en a 3. C'est ça. C'est n'importe quoi, c'est pas possible. Alors c'est là, incroyable. Moi, je m'attendais à ce que ce soit spectaculaire, mais alors là, j'avoue quand même que normalement, tu vois, Moist, ils ont personne en face pour jouer à ce petit jeu-là. Là, oui. Bah là, les joueurs brésiliens, ils savent faire. Hein. C'est comme je disais à un moment. J'ai l'impression que ça leur convient vachement bien ce style de jeu. Ouais. J'ai l'impression que les Furias sont contents de jouer contre Moist, effectivement. Ils jouent très bien en équipe, c'est très très bon. Et c'est très mécanique, c'est très rapide. C'est le Brésil, tout simplement. Ah ouais. Ils sont là pour fou. Les mécaniques, ils sont là pour en mettre plein les yeux. C'est le cas dans le football. Ça va bien, hein. C'est aussi le cas dans Rocket League. Les Furias sont extraordinaires. Et on va avoir le droit, peut-être un petit time-out du côté des Moist. Je vois que ça prend un petit peu de temps, mais en tout cas, on va avoir le droit
cette Game 7. Une game, 5 minutes qui vont les séparer de la place en demi-finale contre BDS. Moi, ça me terrorise par contre. Hein. Oui. Moi, je suis pas confiant. Oui, moi, je les vois perdre là. Hein. Furia peuvent aller battre tout le monde là. Non, mais Furia, là, ils font un gros tout droit et. Et c'est J2 qui va être content en finale contre ça. Et on abolit le terme de région mineure, hein, vraiment. Ouais, par contre, là, Furia, c'est pas une région mineure. Hein. Non. Là, c'est une des meilleures équipes du monde, tout simplement. Entre Falcon et Furia, je suis désolé, mais là, région mineure, c'est plus possible. Oui. Après, voilà, ils ont pas non plus beaucoup d'équipes. Non. Mais alors, leur top team, quand on voit que ça a fait Game 7 contre The Club, même si le niveau était pas aussi élevé que maintenant, on sent qu'il y a de la, réserve quand même. Ça arrive en plus côté KSA. Ouais, là. C'est ça. Côté MENA, il y en a aussi beaucoup. C'est qui les jumeaux, là? J'ai perdu leur nom, mais les joueurs de F16. Ouais. Allez, on est parti. La dernière game de ce BO. Moist Furia, un BO absolument extraordinaire. Les Moist qui doivent gagner s'ils veulent rejoindre BDS. Sinon, les Furia qui vont inquiéter toute l'Europe. Les Furia qui pourraient nous éliminer de ce tournoi. Allez, Kayo, qui est dans les ailes, le fait preset de Kayo. Le tir derrière, ça a raté, ça a fake. Mais Vatira ne s'est pas laissé tromper. Allez, allez, Champions Field, Game 7 ici maintenant. Qui va prendre la pression? J'ai l'impression que ça n'a pas l'air d'être le genre de quiconque sur ce terrain. Est-ce que Moist a déjà perdu en Champions League? Mais c'est des joueurs. C'est des joueurs de Game 7, mais attention là, parce qu'ils sont vraiment très forts les Furia. Ils ne ratent absolument rien à l'image de cette action. Attention à Yann là qui peut enchaîner les touches à l'infini. La double tape ici, en quel festival. Allez, Vatira qui va récupérer cette balle, prendre le peu de temps qui lui est laissé. Le flic pour essayer de surprendre Card, Joyo, Ryze. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur cette balle? Non, c'était Kayo. Yann qui pousse dans le corner, Ryze à la lecture. Il ne va pas la prendre, la lecture, c'est Kayo qui va pouvoir pousser. Vatira qui dégage. Ryze, il sera en retard sur Card qui est beaucoup trop rapide. Joyo qui va pouvoir intervenir sur ce ballon. On arrive à dégager. Yann qui vient la pousser sur le côté. Le bum sur Yann. Le tir de Vatira n'est pas cadré. Kayo qui clear. Joyo qui la laisse à Ryze. Attention, on vient de rendre la balle à Kayo. Mais ça va, Joyo est bien passé. Ouais, attention, Card ici. Ryze qui va récupérer. L'accélération de Ryze ici. On va prendre la Shadow Défense en supersonique. Hein. Ryze qui veut essayer de double tap ici. C'est récupéré par Yann qui allait absorber cette pression, qui va partir. Le flip reset, il tout le contre. Il a réussi à battre l'adversaire. Kayo qui s'envole pour aller faire un dribble. Le 50-50 qui va déporter la balle sur le côté. Ça profite à Moïse ici. Joyo qui va sauver dans les airs. Peut-être pour aller faire la passe de la cour. C'est bloqué par Yann encore. Il est partout. Vous n'avez pas le droit à ne faire des passes axiales. Attention, Joyo, il faut revenir. Il va réussir à stopper Yann. Heureusement pour les Moïse. Le petit contrôle de Card. La passe pour Kayo. Patira qui vient le stopper. Yann déjà dans les airs. On ne peut pas aller contrer. La tentative de double tap n'aura pas lieu. Kayo qui la remet sur Yann. La balle qui traîne, on ne va pas se jeter hein, du côté Furia. La récupération de Vatira. Ryze qui poursuit. Yann qui va réussir à la remettre de l'autre côté. Est-ce qu'il y a Joyo? La réponse est oui, mais ce n'est pas cadré. Yann défend. Ouais, attention ici, on essaie de passer là, ça va vite, mais ça manque de précision côté Moist. J'ai l'impression qu'ils ont à faire des choix difficiles là. Il faut aller ultra vite. Donc Oh la balle passe. Tirer, Vatira qui envoie un tir ultra puissant. Il sait que de toute façon, s'il cadre doucement, ça ne donnera rien. Donc on va aller jouer ce backboard et on continue de bombarder le backboard de Fire. Ah, c'est dedans. Ryze qui arrive à tirer sa cible. 120 km/h minimum la frappe de Ryze de base avant qu'elle ne touche la transversale. C'est un boulet de canon que vient nous envoyer Ryze pour pouvoir donner l'ouverture du score à Moist. Ça leur pendait un peu au nez Furia là, parce que le backboard a commencé à être juste déformé par les impacts de balle. Le kick off goal! Le kick off goal pour Yann! Comment est-ce qu'on a pu arriver là? Le travail des Moist anéanti par ce kick-off goal. Yann qui va esquiver la démolition. Joyo, le turn offensif, ne pourra pas y retourner. Et à la moitié de cette game, c'est déjà l'égalisation des Furia. Allez, un autre kick-off. Ça promet toujours des moments dangereux. C'est plutôt à l'avantage de Moist cette fois-ci. Je vais Joyo dans les airs. Joyo sur le C-League. Joyo, on sait que c'est son territoire de jeu. Le C-League va tirer. Oh non, qui s'est raté. Kayo va pouvoir défendre. Ryze, il va essayer de retourner. Mais attention à Kayo. Et Ryze qui continue. Ryze qui essaie de passer en force. Card pour le bloquer. Yann qui préfère aller récupérer la ressource. Attention à Vatira qui attend. Joyo, c'est quasiment open. Kayo, la parade, c'est incroyable. Oh là là, quel arrêt incroyable. Et attention à la transition des fausses attaques. On est bloqué très vite. Joyo. Ouais, qui va aller éliminer son adversaire. Il a pas de boost, il va pouvoir récupérer le boost. C'est une belle opération ici. Mais attention là à ce challenge. Oh, il a de la place, Ryze. Il a de la place, il a vu son adversaire sauter. Il va pouvoir le battre. Mais il y a Card derrière pour la récupérer qui va gagner beaucoup de temps. Joyo qui est battu. Vatira qui continue. Il va aller frapper ce backboard. Est-ce qu'on a quelqu'un de son groupe auto? C'est Kayo qui va pouvoir dégager. Est-ce qu'on peut récupérer la possession? Ryze qui va essayer de trouver un coéquipier dans l'axe, mais c'est bloqué comme d'habitude. Bayan qui va absolument laisser passer aucune balle dans l'axe. Joyo là, oh, peut-être. C'est sur la crossbar. Ah,
Allez, Yann qui va essayer de la récupérer, le pinch pour dégager, Vatira pour le stopper, on part de l'autre côté, Kayo battu par Rice, on a récupéré la ressource mais on n'a pas récupéré la possession, Joyo qui doit intervenir, il s'est raté, Rice qui va pouvoir la reprendre sur le wall, Rice qui a beaucoup d'espace, il est remonté sur le cycle, la passe pour Joyo, la fin de le tir, la déviation de Card, Vatira qui arrive à se jeter pour prendre le duel, on est sur le backboard, Kayo qui décale dans le corner, Joyo à la reprise, oh quelle touche de la part de Yann, attention à la remontée, le flip reset, Vatira qui doit défendre. Et Vatira qui s'envole, ORD ici, Vatira qui a mis l'accélération, il a remonté tout le terrain. Attention à Joyo, la frappe se sous la barre à 1 minute 09. Les boys repassent devant, quel match de fou. Joyo qui choisit la simplicité, cette fois-ci la frappe est parfaite, puissante, appuyée. Et elle va venir donner l'avantage à Maurice, il reste 1 minute. Attention au kick-off, ne pas se reprendre un kick-off goal après avoir marqué, avoir autant galéré pour marquer, surtout Rice qui devrait être dans le coin, il va pouvoir récupérer cette balle. Rice qui est dans les airs, le duel avec Yann, c'est reparti sur le corner, Joyo qui pousse la balle pour Card. Card qui va réussir à récupérer, il arrive à dégager, attention il a un petit peu de ressources encore, le Brésilien finalement il n'en a plus, il ne peut plus continuer, le préfet de Yann, heureusement que Joyo peut défendre. Ouais, Joyo il a pas mal de place, il tente le tir direct, Kayo qui va réussir à défendre, attention ici à cette belle passe backboard, Rice il s'envole, mais Yann, mais c'est pas possible Yann, la frappe, c'est une passe, quel arrêt de la part de Joyo, c'est fou, pourtant c'était si bien joué, quel arrêt. Allez Kayo qui vient remettre une balle, c'est Rice qui va pouvoir la reprendre, il essaye de faire prisel pour se donner du momentum, pour retourner sur le ballon, Card, il a de l'espace, Card le déviation pour Yann, Joyo, il a tout vu venir, Kayo qui vient la remettre, oh là là, Rice, la lecture va être importante, va tirer peut-être, le squish essaye pour les stopper, Yann la frappe, ça va aller au bout, l'égalisation à 18 secondes des Furia. C'est le plus beau match de Rocket League de tous les temps. Oui. Ok, on est d'accord. Oui. Aucune négociation c'est possible. Incroyable. C'est n'importe quoi. Les actions, c'est que des masterclass. Les Furia, ils se sont fait contrer une infield à 129 m/h dans l'axe. Et derrière, ils arrivent à repartir en transition pour aller remarquer en solo play derrière. C'est complètement fou. Attention. Oh, attention ici, Yann qui décidément, il est incroyable. C'est peut-être terminé là-dessus. Oh, ça arrive à défendre. L'accélération de Joyo. Il reste 4 secondes maintenant et on s'en va le côté Yann. Ils sont imbattables, les Furia. Ils sont partis pour aller chercher le titre. La frappe de Yann. 2 secondes. Les Furia prennent l'avantage. Est-ce que les Moïse peuvent le faire? Je n'en ai aucune idée. Le kick-off qui va arriver, Vatira. Rice qui est parti lui aussi. La balle qui ne peut pas toucher le sol. Joyo qui la reprend. Elle va retomber devant les cages. Kayo. Il trouve le sol. Les Moïse sont éliminés. Les Furia viennent de battre la meilleure équipe du monde. Bah, les Furia sont. Et la meilleure équipe du monde. J'ai jamais vu ça. S'ils maintiennent ce niveau, c'est littéralement un tout droit pour la coupe. Et oui, on voit notre cher Vatira qui s'effondre évidemment. Mais normal. C'était pas prévu comme ça. Mais non. C'était pas ça le script. Parce que là, honnêtement, c'est un grand Moist qui a joué ce soir. Mais je sais pas sur quoi ils sont tombés. Mais c'est pas possible. Mais là. Le niveau de jeu là, c'est du jamais vu en fait. Je sais pas. La semaine dernière, il va me falloir du temps pour diriger tout ça. Moi, je suis pas capable d'analyser là maintenant. C'était les seuls Moist qui pouvaient battre une telle équipe là pour moi. Moist était trop fort, wesh. Ils ont perdu. Comment c'est possible qu'une équipe sud-américaine vienne battre ce Moist? Rocket League, ça a changé beaucoup. Et malheureusement, pas pour le bien de Vatira. Qui était en larmes, qui est effondré, on le savait, le titre lui était destiné, mais non. Les Furia ont décidé de changer ça et ils ont réussi à battre.